Wanneer is men een goede leider? Wanneer is men een goede teamleider? Het is een hele uitdaging. Velen slagen er niet in. Wat doen we fout? Wat kunnen we leren? Wordt iemand geboren als een echte leider? Dat zijn de vragen die we nu willen lanceren. Et j'aimerais commencer par monsieur Bizet parce que j'ai entendu que Belron connaît une progression chaque année après année après année grâce aux satisfactions des clients. Alors, qu'est-ce que vous faites différemment parce que vos clients sont tellement satisfaits? Je crois que s'il y avait un poste dans le budget dans lequel Belron ne couperait pas, s'ils devaient faire des efforts considérables pour faire leur budget à la fin de l'année, c'est le budget qu'ils appellent d'executive development. Et l'executive development s'adresse à probablement environ 500 personnes sur 18 000 et commence en réalité avec le recrutement, continue avec l'évaluation à 360 degrés des talents de leadership des leaders à tous les niveaux. Et je crois qu'une des convictions que nous partageons au sein du groupe d'Itren, c'est qu'il y a un petit peu une démangeaison médiatique à concentrer toutes les questions de leadership sur le CEO. C'est une erreur. Le CEO, évidemment, a des obligations de leadership, mais il faut des leaders à tous les niveaux dans l'organisation. Mmh. Et donc Belron est convaincu de ça et investit énormément en développement de ces leaders à tous les niveaux, ce qui veut dire donc très très grosses dépenses dans le processus de recrutement. On ne recrute pas quelqu'un dans une fonction de leadership sans lui faire passer une journée entière dans ce qu'on appelle un assessment center qui a été développé et qui est tout à fait propriétaire à Belron pour savoir s'il a effectivement ce potentiel de leadership. L'évaluation à 360 degrés, une formation très intensive au cours des années pour développer ses talents de leadership, oui, et aussi une culture d'entreprise qui considère que c'est très important. Et donc, c'est une véritable pierre angulaire de la culture de l'entreprise que de dire qu'on ne peut pas croître en faisant des acquisitions et dans une croissance organique importante si on n'investit pas, si on n'investit pas en avant de la demande et non pas en arrière de la demande dans le développement des exécutifs. Donc je crois que c'est ça l'élément le plus important. Alors, chez Belron. Je me demande, est-ce qu'on est né un bon leader? Wordt men als een goed leider geboren?